Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une astuce simple pour générer des emails. Je sais qu'il y en a plein sur les sites, mais généralement, ils ne fonctionnent pas tous. L'astuce que je vais partager avec vous a deux particularités. C'est que la première, c'est qu'il fonctionne. Il fonctionne bien. La deuxième, c'est que vous allez recevoir les emails, par exemple, d'authentification et d'autres, sur votre propre Gmail. Voilà, on passe à l'action. On va aller sur un navigateur, saisir l'URL eForward. On va créer un compte. On va cliquer sur Sign Up. Saisir les champs ici. Donc, on va choisir comme username, par exemple, Troward. Un mot de passe, ou bien impérativement une majuscule et un caractère spécial. Et un email de récupération des. Voilà, on va accorder le terme of services and sign up. Donc, on doit confirmer l'authentification. On va aller sur notre email de récupération. Donc, normalement, l'email de confirmation met un peu de temps pour arriver. Parfois même des heures. Généralement, on va trouver l'email de confirmation avec les spams. Donc, on va aller sur les spams. On va dire que cet email n'est pas un spam. Pour pouvoir cliquer sur la confirmation. Voilà. Et on va cliquer sur confirmer. Très bien. Donc on va faire un test. On va par exemple créer un email pour s'authentifier. Exemple à Booking. Donc on va saisir le username, password. Donc vous allez remarquer que c'est facile d'avoir des emails à chaque fois. Juste en tapant les mails qu'on veut ici. Et on saisit ici les mails de récupération. Donc, les mails qu'on a, c'est ça. Mais les emails qu'on va recevoir, on va les recevoir sur notre propre Gmail. Voilà. Il suffit de cliquer sur Add et on a les mails générés. Très bien.
On va tester sur Booking. Ce générateur d'emails, normalement, ça marche avec tous les autres sites. Par contre, le générateur d'emails comme YourMail et d'autres ne marche pas. J'ai oublié un chiffre. Bien, donc vous allez remarquer qu'on va recevoir les mails de confirmation sur notre Gmail. Donc, confirmer l'adresse. Donc, remarquez qu'on a l'email qui est normalement reçu sur cet email-là, mais elle est dans notre Gmail.